Au pied de son château d'eau, l'aiglon du Lamantin poursuit sa préparation physique. L'objectif, travailler principalement l'endurance des joueurs, tout d'abord sous forme de course, puis sous forme de coordination, en terminant par des exercices de conservation de balles. Une préparation athlétique visant à forger également le mental des joueurs, facteur tout aussi important si l'ambition est de bien entamer la saison. C'est la préparation, c'est ce qui va nous permettre justement de travailler plus facilement au cours de la saison et en fin de saison. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des résultats pendant le plus longtemps possible. Donc il faut préparer le corps, surtout après 4 mois sans effort. Il faut préparer le corps à faire de gros efforts pour avoir de bons résultats. Pour le moment ça va, on encaisse assez bien, puisqu'on nous a préparé justement à ce que plus ça va avancer et plus le niveau va augmenter. Et plus nous devrions être capables d'assimiler les séances. On est obligé de passer par une étape d'une semaine, deux semaines de travail de capacité, pour qu'ensuite on travaille l'endurance puissance pour que dans 3 semaines le joueur soit apte à faire un match de compétition. Avec le staff, on est en train de connaître un petit peu l'effectif, donc de voir un petit peu le style de joueur qu'on a pour pouvoir justement mettre un plan de jeu et puis voir quel style de jeu qu'on veut donner. La soif de réussite est très forte à l'Aiglon. Pour commencer la saison, les Lamantinois devraient défier le club franciscain en match amical vers la fin du mois de juillet.